Alors moi, je m'appelle Fabienne Michaud, puis je fais partie d'un duo d'artistes, de créateurs qui s'appelle Zanimo. Et ça fait plus de 30 ans qu'on travaille ensemble, et toujours avec les animaux. Ça, c'est grand et rond. Ouais. Ça, c'est celui que j'ai dans le salon. Ouais. C'est quoi? Picasso. Ouais. Moi, je suis Doris Brasset. Je suis du duo Zanimo aussi, et puis... Ça fait près d'une dizaine d'années qu'on peint des oiseaux. C'est notre passion. Vous êtes vraiment des ornithologues, vous deux? Non. Non. Très amateurs. Des vrais ornithologues, là, c'est ferré, c'est quelque chose. Oui, oui. Nous, on est... En fait, Doris et Fabienne sont des références pour moi. Et elles sont aussi membres de SOS Mammifères Marins. Donc, elles ont contribué à sauver des mammifères marins échoués, des phoques blessés, des baleines. Donc, elle travaille très, très, très fort en écologie. Sais-tu comment je me suis intéressée aux oiseaux? À un moment donné, j'écoutais La Semaine verte, puis il y avait justement un oiseau qui faisait le tour de la Terre. J'ai été vraiment touchée, j'en revenais pas. Là. Il part de l'Arctique jusqu'en dans le sud de l'Argentine. Il remonte jusqu'aux États-Unis sans escale, puis il s'en va jusqu'en Arctique faire ses petits. Là, j'ai été tellement impressionnée que j'ai voulu en connaître davantage, puis là, on s'est intéressé aux oiseaux. On est sensible à leur beauté et à leur magie qu'ils opèrent. Je veux dire, c'est incroyable ce qu'ils font, les oiseaux. Les migrations, ils utilisent les étoiles. On s'est intéressé beaucoup à la pollution lumineuse, parce que la pollution lumineuse a beaucoup d'impact sur la biodiversité, et principalement sur les oiseaux. Même la migration des oiseaux, ça leur nuit, ça ralentit la croissance des plantes. Il y a de plus en plus de lumière sur la Terre, et puis la biodiversité a besoin de noirceur, et la vie s'est créée sur le jour et la nuit. Une fois que tu le sais, ben, tu l'éteins ta lumière, et puis voir la voie lactée. En fait, Doris et Fabienne, c'est comme un peu une référence. Quand je suis pas sûre de quelque chose, hey, les filles, je les appelle, venez donc chez nous, venez donc voir, c'est-tu correct, qu'est-ce que je fais? Puis c'est elle qui m'explique qu'il faut que tu aies du bois de cèdre, non thym, pour l'extérieur. Fait qu'on a suivi vos conseils. Très beau, ça. Moi, je préférais qu'un morceau de cèdre blanc se dégrade dans la terre, sans la nuire, versus mettre du bois traité, qui nécessairement, il y a des produits chimiques. Doris et Fabienne, elles n'ont pas d'enfant, mais je pense que leur enfant, c'est ce qu'elles veulent laisser aux générations futures, pas juste aux îles, mais comme enseignement aussi pour prendre soin de l'environnement. Elles sont vraiment des bonnes références. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'impact qu'ils ont sur le vivant. Ben, je pense que c'est la mission qu'on s'est donnée maintenant, c'est d'éveiller les gens à cette beauté par notre travail. Maman est belle. Ça me touche, là, j'ai comme un gros frisson. Fait que rajouter de la beauté ou juste la faire voir, je pense que c'est comme ça qu'on... Mais on peut pas protéger ce qu'on connaît pas. Plus on va connaître, plus on va avoir le goût de le protéger, puis on va réaliser l'impact qu'on a sur ces espèces-là. On ne peut pas vivre sur la Terre sans tenir compte de la biodiversité et du vivant autour de nous. Parce qu'on va être perdu, puis l'être humain va être en péril si on n'est pas capable de protéger. Ouais.